Les journalistes de Newslines Magazine rapportent qu'une conversation secrète entre un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et un homme d'affaires aurait été enregistrée au début du mois de mars 2022. Selon cette conversation, le président russe est très malade à cause d'un cancer du sang. Une déclaration qui se place dans la lignée des nombreux commentaires sur la santé de Vladimir Poutine ces derniers mois, au cœur de spéculations les plus folles. Sa décision d'envahir l'Ukraine a par ailleurs été également perçue par certains comme un indicateur de sa santé mentale. Selon l'oligarque en question, dont l'identité a été gardée secrète mais qui vit en dehors de la Russie et se trouve dans la liste des 200 Russes les plus riches de Forbes, Vladimir Poutine est fou. Il a complètement ruiné l'économie de la Russie, celle de l'Ukraine et de plein d'autres pays, il les a ruinés. Le problème est dans sa tête. Un mec un peu fou peut complètement chambouler le monde. CST par ailleurs à la suite de la décision de Vladimir Poutine de lancer une attaque contre l'Ukraine que l'homme d'affaires ayant enregistré la conversation aurait décidé de la rendre publique. La conversation entre l'oligarque russe et l'homme d'affaires dure environ 11 minutes pendant lesquelles l'oligarque russe proche de Poutine exprime son mépris envers la décision de ce dernier concernant l'Ukraine, et son espoir qu'il se fera renverser. L'état de Vladimir Poutine nécessite des soins 24 heures sur 24 à cet enregistrement qui stipule que Vladimir Poutine souffre d'un cancer du sang. Vient s'ajouter le témoignage de Christopher Steele, un ancien agent du renseignement britannique qui a récemment déclaré auprès du média LBC que le président russe nécessite une aide médicale 24 heures sur 24. Il serait affaibli et très malade. Malgré toutes ces rumeurs qui circulent à propos de l'état de santé du président russe, le Kremlin continue de nier ces informations et n'a toujours rien communiqué d'officiel à ce sujet. Loading Widget.